Courchevel. 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 Courchevel le propose aujourd'hui gratuitement aux skieurs. Une ouverture précoce de 24 heures qu'ont permis les importantes chutes de neige de ces derniers jours. Une journée gratuite devenue une institution à Courchevel. Une journée de ski gratuite. Good weather, good conditions in the slopes. Thank you, Courchevel, it's perfect. Direction Courchevel en Savoie. Après les importantes chutes de neige de ces derniers jours dans les Alpes, la station a décidé d'ouvrir partiellement et gratuitement. La journée de ski, c'est cadeau, tout comme les boissons chaudes. Plus d'un mètre de neige est tombé ces dernières 36 heures. Ça fait 3-4 ans qu'on n'a pas connu des débuts de saison aussi bien garnis en neige comme en ce moment. Courchevel qui brille de mille feux grâce à son festival international d'art pyrotechnique, le seul et l'unique qui existe en montagne. Une station accessible à tout le monde. On va faire ensemble de l'handiski. C'est quoi exactement? C'est ce qui permet aux personnes à mobilité réduite d'accéder au domaine skiable de Courchevel. Dans le village de 2500 habitants, des tables étoilées et une bonne vingtaine d'hôtels de luxe. C'est l'un des plus beaux endroits du monde. Et c'est pour cela que l'on vient ici. Que l'on vient de loin, de très loin. Et on s'amuse beaucoup. Le ski de randonnée sur des parcours sécurisés et balisés. C'est Courchevel qui s'est lancé la première sur le créneau en 2012. Il y a 250 stations françaises qui se sont mises en ligne, se regroupées et qui proposent maintenant des remises de 50%. Alors, quelques exemples. Courchevel, par exemple. Le premier handidameur de France et même d'Europe, il s'appelle Antoine Motillon. Quand je suis dans la machine, j'ai plus de handicap. Plus de fauteuil, plus de différence avec mes collègues, je peux travailler exactement comme eux. L'arrivée de ces deux machines au centre aquatique de Courchevel s'inscrit en fait dans un programme global de remise en forme. En fait, on développe encore plus nos activités à Aquamotion et dans une optique de développer le pôle sport santé. Autour d'Alexis Peintureau de ses lancers, le skieur de Courchevel est porté par les supporters français. Le temps d'un slalom, Courchevel a vibré. Alexis Peintureau en argent. Michel Ziegler, aussi amoureux du ski que de l'aviation. Il a renouvelé l'altiport de Courchevel, il a créé le forum, il a embelli la station. J'ai été dans le monde entier, skier un peu partout, mais nulle part je n'ai trouvé un domaine skiable comme celui de Courchevel et des Trois Vallées. Le snowforming permet de conserver de la neige naturelle en fin de saison de ski. On stocke cette neige, c'est 20 000 mètres cubes. On essaie de mettre en place toutes les techniques possibles pour la conserver, pour pouvoir l'utiliser sur le début de saison, et notamment dans le cas de Courchevel, avec l'organisation de la Coupe du Monde de ski féminine.